Nouvelle mobilisation aujourd'hui à Lyon du collectif Jamais sans toi. Depuis le début de l'hiver, plusieurs écoles de la métropole sont occupées pour accueillir des enfants scolarisés avec leurs familles qui vivent à la rue. Une délégation a été reçue ce soir par la préfecture. 200 places d'urgence supplémentaires ont été obtenues après cet entretien. On a pu savoir que dans le cadre des places actuellement au niveau d'hébergement, il y aurait 200 places de plus que initialement prévues qui seraient ouvertes là, d'ici janvier. On est toujours très inquiet pour ce qui va se passer après le 31 mars pour les familles qui ont intégré l'hébergement d'urgence, puisque malheureusement la conditionnalité n'est pas respectée à ce moment-là, puisqu'il y aura forcément des remises à la rue, la fermeture du plan des places ouvertes dans le cadre du renfort hivernal. Voilà, donc on se reste mobilisé tout à fait. On se retrouve à être en situation d'héberger nous-mêmes des familles pour les protéger du froid. Et on aimerait que ce soit les pouvoirs publics qui prennent en charge leur mission. En fait, la question n'est pas savoir quels sont les moyens mis en place, c'est qu'actuellement on constate toujours une insuffisance de moyens.